plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau portrait, celui de Luc. Luc habite en pleine campagne, dans une petite maison près de son exploitation. Il est céréalier, c'est un homme plein de joie et de bonne humeur. Bonjour Karine. Comment ça va? Bah, ça va bien et toi? Ouais, ça va très bien, ouais. Ouais, moi je vois, disons que t'as une super maison. Bah ouais, ça c'est moi qui l'ai construite, elle peut être belle, hein. Ah bah ouais. Bon alors, donc tu es céréalier, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je fais du maïs, je fais du blé, tout ça. D'accord. Comme ça, bah, le matin, je peux avoir le méchoc à pic. Ah bah oui, c'est utile. En bocha. Donc par contre, pas d'animaux, c'est oh, ça? Oh, je vais pas m'emmerder, tu sais, le plus haut, non, pff, tu vas être dessus. D'accord. Non, non, moi j'ai bientôt la 4 moutons là dans le fond, mais c'est juste pour avoir les aides de la PAC, ouais. Sinon. Portier l'eau grise. Luc est célibataire depuis 5 ans suite à un malheureux accident. Ah, cette saloperie, putain, là, jamais. Oh! Bon, alors, raconte tout ce qui s'est passé, Luc. Oh, bah, j'en ai moissonné le champ qui est au-dessus, là. Ouais. Alors, bon, bah, je vais dans l'engorge, je monte dans la bosse batte, j'arrive, je recule, crac. Il y avait la Joséphine derrière. Oh, oh bah, est-il le dire, là, ça a été radical, là. Bah, ouais. Mais sur ces engins-là, t'arrives, il y a moyen de rien voir derrière. Alors, bon, c'est pas ma faute aussi. Oh, hein. Là, là. Ça, c'est. C'est un drame qui a dû te bouleverser. Oh bah tiens, eh, on a perdu une matinée de boulot, hein, entre la police, les ambulances, tout ça là. Pff, enfin bon, la mauvaise boîte elle n'avait rien, mais bon quand même, une demi-journée, hein, c'est pour rien. Ah ouais. Puis bon, bah il y avait la Joséphine quand même, hein, ah, bon. Oui, quand même, bon, ouais. Elle n'avait pas que des qualités, hein, faudrait pas non plus, bon, mais quand même, hein, vous avez quand même bien bouffé, hein, ça. Ah. Ça vous pourriez pas y enlever, la Joséphine. Ok, bah on va peut-être parler un petit peu de toi maintenant, Luc. Voilà, c'est beau, oui. Dis donc, c'est un joli prénom. Ouais, Luc, c'est comme un tueur en mer. Je suis un comique, moi. C'est un grand comique. Luc aime les choses simples de la vie, la bonne bouffe, la picole et la musique country. Il collectionne les sachets de roi commune de soupe. Alors, Luc, raconte-nous, qu'est-ce que tu recherches comme type de femme? Oh bah, tu sais, je sais pas que c'est compliqué, hein. Une femme un peu comme la Joséphine, quoi. Ouais. Bon bah, faut qu'elle fasse le ménage, qu'elle fasse la cuisine. D'accord. Et puis bon, bah, de temps en temps, faut bien qu'elle s'occupe de moi. Ah hein. Oh bah oui. Parce que, bah, un petit coup de claquante, ça, j'avais fait pour la personne. Hein. Ah, Corinne. T'es le bichon et tout, t'es, hein. Ah, là, là. Oh bah oui, comme un petit peu tout le monde. Tiens. Bon, alors par contre, quelqu'un d'autoritaire? Sans pas, non. Faut te tuer, non, mais non, de Dieu. Oh. Chez moi, c'est moi qui dirige. Oh. C'est quand même pas une gonzesse qui va me dire là que ce que je dois faire. Oh, bah, comme ça. Non mais oh. Au moins, les choses sont claires. Ah bah ça, c'est clair comme un coup de blanc, tiens.